quand t'es petit, t'es flou, tu vois. En vrai, faut garder l'esprit enfant, tu vois, jeune. Tout en étant conscient des gravités de ce que ça peut faire, tes actes, tu vois. Mais être fluide, comme un petit, tu vois. Ils sont grave fluides dans les idées, dans la répartie, tu vois. Là, vous êtes là pour diffuser aussi l'info, tu vois. Vous êtes bénis. On est dans la bénédiction, tu vois. On fait tourner les infos, on montre qu'on est dans la création, qu'il faut bosser, qu'il faut faire les choses, tu vois. Parce que les gens, ils ont des images de bidule, de chouette. Après, je suis pas là pour changer les images des gens, tu vois. Mais quand même, si ça peut influencer dans le positif. En tout cas, je pense à mon petit frère. Ça lui montre que vas-y, en vrai, faut être débrouillard, autonome et faire ses trucs et que pas attendre après quelqu'un ou après un truc qui te tombe tout cul. Ça n'existe pas. Faut qu'il sache que ça n'existe pas. Quand t'es petit, en fait, le monde, tu vois, tu le vois différemment, en fait. C'est ton monde, tu vois ce que je veux dire. C'est tes règles à toi, c'est ta vision. Que ça qui paye, que le taf qui paye. Avec le taf. Je m'appelle Daki Céline Gomis. J'ai co-créé le Tricycle et Dja, accompagné de Coralie Juillet, qui est aussi ma compagne dans la vie. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Béni Original. Déjà, c'est une envie qu'on avait à deux. L'idée, c'était d'être nomade d'abord. On ne voulait plus bosser dans un lieu fixe, comme exemple bureau ou entrepôt, je ne sais quoi. Ce qu'on voulait, voilà, c'est d'être nomade et voyager, et tout ça dans l'harmonie de la cuisine et de la création. Et c'est là qu'est né le tricycle. On s'est dit que c'était le moyen le plus mobile, le plus pratique et le moins contraignant à Paris pour se déplacer. C'est aussi un symbole, le tricycle. C'est trois roues. Lorsqu'on est bébé, enfant, on commence avec un tricycle, avec ces trois roues, ensuite passer en deux roues, ou sinon quatre roues avec les roulettes, mais bon, nous on avait pris vraiment le symbole du tricycle. Et ensuite, grandir comme quelqu'un devrait grandir, quoi. Évoluer. On va pas dire tomber dessus, parce qu'on l'a quand même cherché. On travaille pour, mais c'est sûr que c'était pas forcément ce qu'on envisageait au premier abord. Mais ensuite, ça évolue. Les idées, les choses changent, donc on évolue avec tout ça. C'est sûr, ouais, c'est avoir quelqu'un au-dessus de sa tête qui était dérangeant. Mais aussi, c'était plus l'envie de créer, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la création. Sous tutelle d'un patron, c'est un peu plus difficile de s'exprimer, puisque c'est pas ce qu'on choisit vraiment, ou des fois on choisit, mais bon. Nous, ce qu'on veut, c'est créer, quoi. Sur tous les supports, en tout cas sur les supports qui nous inspirent. Ça a découlé sur le tricycle, sur la food, parce que Coralie, c'est une grande passionnée de cuisine. Dans sa famille, ils cuisinent énormément, ils ont pas mal de restos, etc. Donc c'était logique, quand j'ai toujours mangé des bons plats à la maison. Parce qu'il manquait ça aussi à Paris. C'est pas que la food, c'est le véganisme. À Paris, c'était quelque chose qu'on voyait en tout cas peu. Il n'y avait pas énormément de propositions. Donc nous, on était des jeunes végétariens à l'époque. On manquait de propositions, donc on s'est dit qu'il fallait créer ça, quoi. Déjà pour nous, parce qu'on en avait besoin. J'ai bossé avec Mia Dabrowski, une photographe qui est basée entre le Sénégal et Paris, que j'ai rencontré par le biais d'un ami modèle. Et du coup, on a décidé de faire ce projet ensemble parce que déjà, j'aimais beaucoup ses photos, son travail, et que ça collait bien avec l'univers béni. Donc on a pris nos billets d'avion, on est parti faire cette expérience. On a rencontré de belles personnes, quoi. C'était enrichissant, je pense, dans les deux sens. Et c'était un voyage que je devais faire. C'est la bénédiction. C'est un idéal que je projette. Et cet idéal-là, c'est même pas un idéal, c'est ce qui va se passer. C'est la bénédiction. C'est l'infini. C'est ce que je recherche, en fait, tu vois. Montrer aussi une nouvelle facette, une nouvelle façon de nous voir, de nous regarder nous-mêmes, nous accepter aussi. Pour moi, c'est une étape, en fait. Béni, c'est l'ultime, en gros, tu vois. C'est le max.
ça sera une micro-collection, quoi. Il n'y aura pas énormément de pièces. En tout cas, pour l'instant, je fonctionne comme ça. J'ai pas envie de faire d'énormes quantités. Tu vois, c'est une nouvelle manière de consommer aussi la chose, tu vois. Moi, je vois ça aussi comme des tableaux, de l'art, tu vois, où tu peux... Tu vends une pièce, tranquille, tu vois. Mais c'est quali, c'est ajusté, tu vois. C'est une vraie pièce. Tu te le mets une fois, tu vois, ou plusieurs fois si t'as envie, si t'as l'argent. Mais en tout cas, c'est ta pièce. Tu sais que quand tu mets ça, t'es béni, tu vois. T'es propre, t'es bien, tu vois, sur toi, c'est taillé. C'est ça la bénédiction. Je fais du semi-mesure aussi, ça veut dire si t'es fat, si t'es slim, si t'es grand, avec des bras courts ou vice-versa. Ça sera ajusté sur toi, tu vois. Donc en vrai, on sera... La bénédiction, c'est pour tout le monde. Moi, mon père, il m'inspire beaucoup. Parce que c'était quelqu'un, voilà, qui avait un taf ouvrier, tu vois. Il était mécanicien, il faisait ses trucs et tout. Mais il sortait toujours clean, tu vois, dehors. Il était toujours propre. Quand j'étais petit, j'aimais bien, genre, inventer des nouveaux jeux, tu vois ce que je veux dire. Et j'aimais bien voir les gens le faire, être dans ce mouvement-là, et je trouvais ça beau, en fait. Et en vrai, j'ai toujours kiffé ça, en fait. Chaque coup, chaque chute, en vrai, te rend plus fort, quoi, tu vois. T'apprends, en tout cas, t'essayes d'apprendre de ces erreurs-là pour avancer. Et le but, c'est de ne pas les refaire deux fois, quoi. Donc forcément, ça te fait grandir, quoi. Je vois pas de galère, en fait. Je vois un combat, tu vois. Je vois un chemin, quoi, à suivre. Et que de toute manière, il faut aller, tu vois. Quand je vois un problème, je me dis qu'il faut que je sois plus fort que ça, en fait. Donc forcément, c'est un challenge, en fait. C'est pas un problème, c'est du challenge. Ça devient plus un jeu à un moment, quoi. On est là depuis le départ, depuis le commencement. Tous les gens qui m'entourent, genre, m'inspirent. Que ça soit en bien ou en mal, c'est quand même une inspiration. J'ai appris à être seul. Pas par égoïsme, mais par nécessité. Parce que je pense que c'est important de rester seul pour méditer sur soi. Le combat, c'est nous-mêmes, tu vois, on le fait à nous-mêmes. Je pense que c'est important d'être bien en communauté, c'est sûr, mais de savoir être à l'aise aussi seul. C'est là où naissent les plus grandes idées aussi, des fois. Et ça peut être aussi en public, hein. Les vibes sont différentes avec chaque personne, en fait. Ce que j'apporte aux gens, ben, j'espère que c'est des choses bonnes et positives, quoi. Peu importe le support, on va dire. Pour l'instant, genre, j'ai les crocs, tu vois. J'ai envie de faire le truc à fond, je suis énervé. J'ai envie de me surpasser, tu vois. C'est l'énergie que j'ai actuellement. C'est à toi d'être dans ton énergie. Il n'y a pas vraiment d'énergie. L'énergie, elle traverse les corps. C'est les esprits. C'est à toi de choper la bonne vibe et tout, tu vois. Moi, j'ai toujours eu cette énergie où j'ai envie d'entreprendre, tu vois. Où j'ai envie de faire les choses, voir les choses par mon œil. Et pour moi, l'autonomie, c'est pas se suffire à soi-même, tu vois. C'est pas genre être tout seul, tu vois ce que je veux dire. L'autonomie, c'est se gérer. Se gérer. T'es autonome de toi-même, tu vois ce que je veux dire. Tu te gères, t'es pas un souci, en fait. T'es léger. Si tu veux que les gens t'aident, il faut que tu sois autonome d'abord. Ensuite, ça peut faire des échanges. C'est toi qui décides, en vrai, tu vois. C'est toi qui décides ce que tu veux faire, en vrai. C'est le seul conseil que je souhaite à un petit, tu vois, de dépendre de personne, tu vois. D'être autonome. Comme ça, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Ouais, non, mais c'est à cause de lui. Hey, mais l'autre, la dernière fois, il m'a... Non, frère, autonomie. On a tous un devoir de veiller l'un sur l'autre, tu vois ce que je veux dire. De djinn. Quand tu vois ton poteau, il est djinn, tu te dis, comment ça, c'est mon gars? Moi aussi, ouais, je suis djinn. Tu vois. C'est une équipe, on est djinn dans l'équipe. Tac, 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 et autour de toi, ça... Après, un objectif et tout, je sais pas, ça se trouve, tout ça, je vais arrêter, j'en ai en avoir marre. Et ça se trouve, je vais continuer parce que c'est une mission que je dois me mettre et que c'est ça que je dois faire. C'est conséquent, tu vois, on s'influence tous les uns les autres, tu vois, en vrai. L'énergie, elle circule dans tout le monde, là, dans tout le monde. Si tu veux être carré, t'es carré. Tu le sens quand c'est bourbier. Tu te dis, ah ouais, non. Il y en a qui le sentent pas parce que c'est eux le brebier. Quand tu le sens pas, c'est que c'est toi le brebier.
Ouais.